seconds. 8, 9, 10. Stand up. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on s'est levé tôt. J'ai bien dormi, mais j'ai pas bien dormi. On s'est couché genre à 10h, quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais. On s'est couché à 10h, donc on s'est couché tôt. Mais je sais pas, je me suis réveillée à 1h. Déjà, j'avais pas la bouteille d'eau à côté de mon lit. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, tu te réveilles, tu te rendors, t'as pas soif, rendors-toi. Et ben, du coup, j'ai pensé qu'à ça. Je suis pas capable de dormir sans ma bouteille d'eau à côté du lit. Je suis sûre que si je l'avais, j'aurais pas bu à ce moment-là. Mais là, du coup, au bout d'un quart d'heure que je pensais à ma bouteille d'eau, ouais, parce que ça a duré quand même un quart d'heure, 30 minutes, hein, tu vois comment ça tourne là-dedans. Après, je dis, vas-y, je descends, je vais me chercher une bouteille d'eau. Donc, j'ai pris ma bouteille d'eau et je l'ai mis à côté de mon lit. J'ai bu une gorgée. Et je me suis rendormie. Et voilà. Bon, en soi, ça va, on s'est couché tôt. Donc, le réveil à 6h30, il a pas piqué. Mais j'ai pas eu le sommeil droit, quoi. Cette bouteille d'eau, elle m'a tué ma nuit. Pendant au moins 1 heure, ça a duré le temps que je me réveille, que je me rendorme, le temps que. Enfin, voilà, tout ce temps-là, quoi. Bah, au final, je me suis coupé ma nuque quand même. Ça n'a pas été droit et feel good. Voilà, là on se réveille, on va emmener les enfants. Non, même pas. Que Maëlle en a encore fait chier, Livoine, c'est long. Demain, elle rattaque là-bas, c'est trop long pour elle. En plus, dehors, il fait chaud. Enfin, bref, c'est pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est le dernier jour. Elle se repose à la maison et après, elle attaque. Du coup, moi, on va essayer de. Je vais essayer d'aller à mon cours de yoga cette fois, ce matin. C'est bon, j'ai envie de reprendre, j'en peux plus. Faut que je reprenne mon yoga. Hier, j'ai pas pu, il y avait l'ostéo. Là, je vais aller à mon yoga. Je vais voir le cours qu'il y a ce matin. Je peux regarder encore. Ensuite, je pense que je vais aller à la cryo et tout. Ça m'a fait du bien. La dernière fois, j'avais bien dormi. Enfin, je me sentais bien dans mon corps. Et voilà quoi. Petite journée à la maison. Après. J'ai fait ma petite routine du matin. Je vous mets mon code compte pour Gilor si vous êtes intéressé. Ce que j'ai mis, le tube gris, c'est de la crème solaire. Voilà, toujours je mets de la crème solaire après, 50. Et aujourd'hui, je vais pas me maquiller, j'ai pas envie. Une petite fille, on fait le yoga à deux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de. Que maman ? Ouais, comme maman. Ok, comme maman, oui, tout de suite. Et c'est maman. Oui, comme j'ai pas de cours de yoga aujourd'hui parce que l'heure me convenait pas, j'ai pris demain à 10h, donc c'est bon. Et voilà, donc là aujourd'hui, c'est maman et Lily à la maison. À Lily. À Lily, c'est pas ce que ça va donner. À maman. À qui, sa maman ? À maman. Ok. À maman. Je fais une séance de yoga avec ma fille. C'est parti pour une session de 30 minutes de compression thérapie.